Salut à tous, c'est PokéXpert, le meilleur jour pour une vidéo découverte d'un petit jeu indépendant gratuit et sympa, Ace of Spades. En fait, c'est une sorte de FPS, une mélange entre Team Fortress et Minecraft. En effet, vous avez... c'est cubique. Vous pouvez choisir votre arme, il y a une arme et tout. Et vous pouvez aussi construire. Bon, alors là, dans un couloir de la mort, vous allez me dire... On ne voit vraiment rien en plus. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est ça, le truc pour se planquer. J'ai pris le long porté. On ne peut pas sprinter, donc on se retrouve assez souvent à courir un peu partout. Voilà, donc le truc c'est de construire des petites forteresses, des petits bunkers, des petits murs. Le but c'est de les faire vraiment simple, il faut pas... De toute façon ça se fait détruire, les armes peuvent détruire les blocs, donc je veux dire, faut pas traîner, voilà. Vous avez aussi des grenades, mais c'est vraiment une portée mais catastrophique. Oula. Qui est derrière moi, comme ça. Grenade. On recharge. Voilà. Feu. Une grenade. Ouf. Ouais, bah j'ai été coincé, c'est chiant ça. Donc mes petites bases, elles ont évidemment été détruites. Ça, ça a été gardé, c'est sympa. Ça permet d'éviter de se faire avoir dans le couloir, ces machins, il suffit de se planquer derrière. Là. Ah oui, ça, il peut arriver que ça lag, mais beaucoup quoi. Là je suis à 300 millisecondes, de toute façon j'ai une connexion en carton. Ceux à qui je joue souvent le savent. C'est parfait. Recharge. Alors attends. Je vais faire un truc de crevard. Voilà. Yes. Okay, on a vraiment des... J'ai vraiment un super cliqué là avec des boulets en face. Je vais seulement faire une sorte de voilà. Passer. Même pas.
évidemment. J'étais un peu à la bourrine là, mais bon. La fin du spawn kill, je sais, mais c'est justement ça le concept. C'est un couloir géant, donc je veux dire, c'est du capture de flag, mais on fait plutôt du deathmatch. Putain, le lag, c'est un peu gonflant par moment. Ah, je peux vous dire que ces trucs ils vont finalement pas être utiles, c'est leur propre mur qu'on utilise. Bon, ça devient un peu gonflant, c'est vrai, cette map n'est pas super intéressante, je confirme. Alors, un gros avantage de cela, c'est vraiment la découverte, mais je pense que des parties plus importantes, je pense que je vais les jouer en secondaire, parce que ce jeu, en fait, vous allez voir, vous voyez qu'il est absolument moche. Par conséquent, contrairement à Minecraft, il est super peu gourmand en ressources. Oula, comment ça? Oh, là, il nous a honnêté. Aïe. Alors, je pense qu'on peut changer la couleur des blocs. Alors, plutôt faire des bleus. Les violets, là, que j'ai ici, c'est ceux-là plutôt. Voilà. Sauf tant que j'ai cette base avancée, là. J'ai rien compris là. On est tombé sur un bon en face. Vous voyez que c'est du super, en fait c'est du travail d'équipe, vous avez complètement oublié, c'est à vrai dire. C'est du travail d'équipe en fait pendant plein de... Ah la vache. Voilà, on détruit ce bloc. Oh bug, what the fuck, là par contre le bug. Toi là-bas.
Le flingue n'a plus que 100% d'efficacité. Attendez. Voilà, parfait. Voilà, ouf, un petit mur bien protégé. Ah zut. Ouais, donc les postes avancés, je vous oublie complètement, je pense que je vais couper la vidéo, c'est juste une petite démonstration. Vous pouvez... Il y a plusieurs armes, il y a le fusil à pompe qui est à très courte portée, l'arme semi-automatique, l'arme automatique, c'est une MP5, que c'est mon CRLGU, enfin je sais pas comment il s'appelle. C'est lui qui l'utilise. Alors moi j'ai presque le sniper en fait, on pourrait l'appeler comme ça. Voilà, parfait. J'essaie un peu d'avancer, attendez, je vais me faire un petit truc. Avance, crétin. Un petit tunnel. On va encore l'avancer, hein, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Comme ça, je récupère les blocs que j'ai posés en plus. Charge pour pouvoir retrouver la tour de batterie comme elle est. Voilà, on continue le tunnel. Un petit coup toujours, hein. Voilà, protégé.
Il m'a semblé avoir bon je coupe là, parce que c'est bon. Vous avez vu en gros, c'est un petit jeu sympa. Hein. Bon je coupe là, parce que je vais encore vous oublier.